Salut et bienvenue dans cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur le bouton lire la vidéo et merci encore comme vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les outils, je vais vous présenter tout ce que vous auriez besoin pour être un professionnel dans la vente des photos en ligne. Donc il y a tellement de ressources sur le marché, il y a tellement de choses qu'il faut connaître, il y a tellement de pratiques qu'il faut mettre en pratique pour vendre ses photos en ligne. Donc, cette vidéo est faite pour cela. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo les outils, les techniques, les sites que vous auriez besoin pour vendre vos photos en ligne. Donc, c'est très simple. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin. Et après, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez, mettez un pouce bleu. Par contre, dites-moi en commentaire ce qui n'a pas allé. Et je serai vraiment ravi de répondre à vos commentaires. Et par contre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc je vous conseille de vous abonner maintenant sur le bouton là et de cliquer sur la cloche de notification parce que je partage avec vous les astuces, les méthodes et les techniques sur cette chaîne Mickaël Mika pour gagner de l'argent en ligne. Et aujourd'hui, plus précisément, nous parlons de 10 000 euros en ligne en vendant ces photos. Donc c'est possible grâce à cette vidéo et grâce à tout ce que je vais vous présenter maintenant. Ok, comme celle-là, allons-y. Ok les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai directement préféré prendre l'article que j'ai écrit sur mon blog Mickaël Mika. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, en fait c'est ça, mickaëlmika.com. Donc je prends directement cet article que bon, j'ai mieux expliqué ici, tout en détail pour vous expliquer en gros en quoi consistait cette vidéo. Donc d'un premier temps, si vous êtes photographe, alors c'est bien, ce qui veut dire que vous êtes déjà assez mieux qualifié pour suivre ce tutoriel. Mais par contre, je vous explique par la suite de quoi est-ce que vous avez besoin. Ok, donc par où commencer? Premièrement, si vous avez un appareil photo professionnel, là, c'est bien un appareil que vous pouvez transporter partout sur vous, prendre vos clichés ou quand ça vous chante et à n'importe quelle heure. Et par contre, si vous avez un iPhone, peut-être un iPhone X, un iPhone 7, 7 Plus, 8, là, c'est mieux. C'est mieux, mais par contre, si vous avez d'autres qui filment assez clair, ça fait toujours le taf. Donc, c'est bien. Et à ce niveau, vous avez là, vous aurez besoin d'un disque dur. Dans un disque dur pour stocker vos photos, un petit laptop ou desktop, une tablette graphique auquel vous allez un peu retoucher. Et là, ce sont quelques outils de loisir. Si vous voulez écouter de la musique, peut-être au niveau là, les lentilles pour améliorer votre vue et autres. Ok. Donc, si vous n'avez pas un appareil photo, là, vous avez le lien. En fait, vous connaissez tous. Vous pouvez commander sur Amazon et être livré à domicile. Ok. Comme bon vous chante. Ok. Donc, premièrement, vous auriez besoin des logiciels de retouche de photos et quelques bases sur cela. Et c'est vrai, peut-être. En fait, c'est vrai que Adobe Photoshop est le leader premier sur le marché maintenant, mais l'inconvénient un peu c'est au niveau des coûts. Mais si vous pouvez vous permettre de mettre de la main dans la poche pour payer une licence d'Adobe, alors c'est mieux, mais je ne vous conseille pas d'utiliser des cracks. C'est vrai, ils sont nombreux sur le marché. Ils sont nombreux sur le marché. Donc, tout va donc dépendre de vous. Et là, vous avez Gimp, ok. Vous avez là Pix LR. Vous avez là Roar Therapy, ok. Donc vous avez là Fastone Image Viewer. Donc là, elles vont vous permettre d'éditer vos photos, d'améliorer peut-être la luminosité, de mettre un peu une petite retouche sur cela. Ok, une fois que vous avez bien retouché vos photos et que vous les considérez assez bonnes de qualité, vous pouvez leur soumettre. Alors certainement la question que vous allez vous poser, c'est je veux vendre mes photos, mais en fait quel site paye le plus? Donc j'ai fait une petite sélection là et en première position j'ai mis Alamine. Donc ils peuvent vous payer de 20 à 500 dollars
selon la qualité de vos photos. Donc pour Alamine, vous avez là le site alamine.com, dont je vais mettre le lien tout juste dans la description de la vidéo. Après là, on a picfair.com, dont ces sites payent vraiment bien et payent vraiment le mieux que possible. Donc les prix ici, vos revenus sont vraiment énormes. Donc tout va donc dépendre de la qualité de vos photos. Donc si vous estimez qu'il vous faut encore des retouches, vous pouvez prendre un freelance ou bien vous payer un service peut-être sur 5 euros et autres pour les retouches de vos photos. Mais par contre, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre directement la main dans la poche et de vous former vous-même. Donc payer une formation et vous former. Donc également ici, on a IM. Donc ces gars payent vraiment bien. Donc ce n'est pas de la blague, les prix ici 10 à 100 dollars par cliché, donc énorme, comme vous pouvez vraiment le constater. Et on a aussi là Fowap, donc Fowap.com. Les liens sont dans la description, les amis. Ok, donc ces sites-là payent énormément. Et maintenant, nous allons parler des sites de grands noms, dont les grands noms simplement c'est réfuté par leur marque. Par le temps et j'en passe. Donc parler de grands noms bien connus, dont sûrement vous connaissez déjà celui-ci, Shutterstock. On a aussi là Getty Images, on a Dreamtime et ici on a 123fr. Donc ce qui est le plus intéressant chez 123fr, c'est que si vous êtes graphiste ou bien si vous faites dans le numérique, alors c'est tant mieux parce que ici vous pouvez vendre des vecteurs, vous pouvez vendre des photos, vous pouvez vendre des vidéos, vous pouvez vendre des audios. Mais l'inconvénient, c'est que ils ne payent pas grand-chose. Donc je pense, j'ai mis les détails là, entre 98 dollars à 20 dollars, et c'est vraiment difficile d'atteindre ce niveau de 20 dollars. Mais par contre, bon, aussi ici à Shutterstock, dont les prix également sont vraiment très petits là, je pense, pour moi. Mais il peut vraiment grimper jusqu'à 10 000 dollars. Donc, concernant la qualité de vos photos et la réputation que vous êtes faite au cours du temps, donc concernant le téléchargement, le paiement de vos illustrations et photos en ligne. Donc c'est là que les enchères grimpent. Donc vous comprenez le pourquoi, l'importance d'avoir vraiment de la bonne qualité. Donc ici on a ici Adobe Stock. Donc ça c'est une branche d'Adobe. Et bon, donc ce qui fait un peu plus sa réputation, c'est au niveau de son cloud. Donc vous travaillez vos photos sur Adobe, vous mettez directement sur cloud. Et l'insertion est au niveau du stock est assez tellement facile, tellement simple à manier. Donc, si vous êtes plus ou bien si vous travaillez plus dans cet univers d'Adobe, alors je vous conseille de soumettre également vos photos ici parce que vous n'allez pas soumettre vos photos uniquement sur un seul site et vivre de cela. Donc vous avez besoin de plusieurs tuyaux, vous avez besoin de plusieurs fils pour gagner de l'argent. Et ici, bon, de vos photos, dont les paiements, c'est par abonnement mensuel de l'abonné, donc qui est de 29,99 dollars. Ok. Donc vous avez là joué sur le marché et vous allez rencontrer encore vendre vos photos de tirage. Pour que cette vidéo ne soit pas longue, donc je pense que je ne vais pas dire grand-chose, je vais seulement survoler. Je vais mettre des liens dans la description et là, vous allez aller visiter et en tirer vos propres conclusions. Et par contre, ici, vous avez aussi la méthode vendre vos photos sur les réseaux sociaux dont j'en parle. Vous pouvez vendre vos photos sur les réseaux sociaux, je ne vais pas tout expliquer là. Vous pouvez aller imprimer. Donc, vous pouvez imprimer vos photos à la demande. Ok. Vous pouvez vendre votre livre photo, livre photo, CV et autres, j'en passe. Et vous pouvez aussi vendre vos photos en ligne en cadeau. Donc, j'explique là comment ça se passe.
Parce qu'aujourd'hui, les photos peuvent être imprimées sur du n'importe quoi. Et donc, ces sites que j'ai mis ici, ce sont des sites qui vont vous permettre de faire tout cela. Donc, vous allez soumettre vos photos et le site va s'occuper de faire le design et autres. Et à chaque fois, lorsque quelqu'un va peut-être commander un t-shirt ou une tasse, comme ici on a Café Presse, les logos, les photos et autres sont imprimés sur des tasses, comme vous pouvez le voir. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur va commander une tasse et autres, vous êtes payé en retour. Vous êtes payé en retour. Donc, je vous conseille, travaillez bien vos photos et vous pouvez gagner plus même de 10 000 euros, comme je l'ai tantôt dit dès le début. Donc ici, vous pouvez imprimer, vous pouvez mettre vos photos, logos, j'en passe et autres sur des t-shirts et le site s'en charge de la vente. Ok. Donc ici, on a Customer T-shirt, donc les impressions sont faites sur des t-shirts et le site s'en charge de vendre les t-shirts. Donc vous n'avez pas grand chose à faire là, simplement de mettre vos photos, vos illustrations et de gagner de l'argent. Donc ici on a trouvé votre bonheur. Très beau comme titre, j'apprécie l'initiative. Donc vous allez trouver votre bonheur, c'est vrai. Allez, inscrivez-vous et soumettez vos photos. Ok. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc suivez à la lettre pour plus de détails. Dirigez-vous sur mon blog Michael Mika pour en savoir plus. Et aussi, mon livre vient de sortir là, Gagner de l'argent en ligne. Donc, ce que vous aurez besoin, c'est de mettre votre nom là, ainsi que votre email. Donc, et de télécharger votre e-book gratuitement. Donc, et hop, ok, je suis déjà abonné, tant mieux. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Avoir du bon matériel, avoir des bons logiciels, avoir également de la bonne connaissance concernant ces logiciels. Soumettre vos photos sur des nombreux sites qui vous permettent de vendre vos photos en ligne et être patient et de la persévérance également. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, disons rendez-vous pour les prochains tutoriels. Merci.